Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darknet Security. Alors aujourd'hui, je vais vous donner les raisons qui me font aimer énormément Star Citizen. Un des motifs principaux, et puis aussi les motifs qui parfois m'énervent aussi dans Star Citizen. Il y a des choses que j'aime et bien sûr des choses que j'aime moins. Alors, les choses que j'aime, bah déjà, c'est le côté immersif de Star Citizen. C'est aussi une promesse de gameplay qui, dans le futur, j'espère, sera beaucoup plus variée que ce qu'on a dans la plupart, voire l'intégralité des jeux à l'heure actuelle. Le fait aussi que ce soit un jeu indépendant, qu'il soit pas sous la contrainte d'un éditeur et que les délais ne soient pas forcément une priorité. Alors je sais, on prend le risque de voir un jeu qui prend un temps fou à se développer, mais personnellement, moi, ça me dérange pas. Je préfère que ça y a, que le jeu prenne son temps, que les développeurs prennent leur temps, mais qu'ils nous sortent des trucs au final qui seront super bien, que des trucs faits au chronomètre avec la pression des éditeurs et des actionnaires, et au final, on se retrouve avec une sorte de Cyberpunk 2077. Super joli visuellement, mais buggé de partout. Alors bien sûr, c'est une alpha, hein. En ce moment, on peut accéder au jeu via l'alpha. Alors l'alpha, elle est buggée, hein. On va dire en même temps, c'est une chose un peu naturelle, hein. Une alpha, de par nature, est buggée, hein. C'est du test, hein, ni plus ni moins. Mais en même temps, elle est jouable, donc moi j'aime bien ce principe. Et j'adore y jouer, hein. Ce que j'aime aussi, bon, ben, aussi... La chose qui fait toute la différence pour moi, c'est qu'on a l'impression d'être dans un monde quasiment sans limite, hein. Et pourtant là, on est toujours bloqué à un système solaire, mais quand on voit la taille du système solaire, il y a comme un sentiment de liberté quand même qui est assez bluffant. Alors bien sûr, les choses que j'aime pas à l'heure actuelle, ça manque un peu de gameplay, hein, voire beaucoup même. La communication de CIJ aussi, qui parfois, franchement, laisse beaucoup à désirer. On va dire qu'ils sont très forts pour vendre des vaisseaux, pour faire des promotions de telle ou telle chose à acheter. Par contre, quand il y a des gaffes ou des soucis quelque part, ils communiquent beaucoup moins. En même temps, ça me surprend pas trop, hein. On connaît le modèle de management des boîtes anglo-saxonnes, hein. Et là, on est typiquement dans un système comme ça. Après, ce que j'aime beaucoup dans Star Citizen, c'est le côté commu. Et on peut même se vanter d'avoir une commu plutôt sympa. C'est rare de voir sur le chat du jeu un nouveau joueur qui galère, être laissé à l'abandon par les autres, hein. Quel que soit le gameplay des autres joueurs, il y en a toujours un qui va venir lui porter secours techniquement, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a toujours pas de tutoriel d'explication du jeu. On vous lâche dans l'alpha un peu comme ça, et démerdez-vous, hein. Bon, apparemment, ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Alors, les choses que j'aime, bah, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté immersif, c'est le rendu du jeu, hein, je le trouve plutôt bien foutu. Assez réaliste au niveau des paysages. Alors il y a quelques trucs qui sont pas très cohérents, mais ça c'est clairement assumé par le studio, hein. Bon, comme les lasers, les explosions qu'on entend dans le vide spatial et ainsi de suite, hein. Faut pas être trop à cheval là-dessus, hein. Il l'a dit lui-même, hein. Ça sera de la SF façon années 80, hein, plus ou moins. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bah, ce qui me fait aimer Star Citizen, et Squadron aussi, hein, je l'attends avec tout autant d'impatience, c'est que si ce projet arrive à se concrétiser, si le projet arrive à avoir une release, ce qui n'est pas sûr au final, hein, on n'en sait rien, hein, le projet peut capoter pour différents motifs, hein, mais s'il sort, je pense qu'à terme, alors, je n'irai pas peut-être jusqu'à dire que ça sera une grosse claque ou une révolution dans le monde du gaming, mais il est clair que ça va pousser pas mal de studios à revoir un peu leurs copies et à nous proposer autre chose que du réchauffé comme ils nous proposent à l'heure actuelle, hein.
Parce que, bon, c'est bien, Cyberpunk, Starfield et compagnie, mais quand je regarde le gameplay, au final, à l'ouest, rien de nouveau, quoi. Oui, ils proposent des trucs, mais c'est déjà vu et revu ailleurs, il suffit de regarder un peu et de comparer, hein. Est-ce que dans Star Citizen, ce qu'ils proposent quand même, bon, alors il y a des choses vues et revues aussi, hein, mais quand même, il y a quand même des choses qu'ils vont proposer et qu'on verra un peu sur la fin du développement, je pense, qui vont radicalement, radicalement changer la façon de jouer, hein. Ça, je pense que beaucoup de studios d'ailleurs ont dû prendre conscience que le projet avançait malgré tout. Et ça va certainement les. Enfin, je pense qu'ils sont même déjà en train de réagir hein, depuis quelque temps. Et c'est en ça que pour moi Star Citizen est important parce que. Et je crois que déjà quelque part, on peut dire qu'il a gagné son pari. Il a forcé pas mal de studios à réagir de par ce qu'il propose. Et je pense que les années qui viendront, là, dans les 10 prochaines années, bah pour les gamers, ça sera du tout bénef. On aura enfin des jeux qui redeviennent ambitieux, des jeux qui seront de plus en plus immersifs. On aura des concurrents à Star Citizen, en moins bien ou en nettement meilleur. Enfin, tout un tas de choses qui font que. On pourra dire merci à l'équipe de CIJ et aux développeurs de Squadron 42 et ainsi de suite pour tout ce qu'ils ont fait. Je pense que ça va valoir la peine. Voilà, en gros, c'est tout ça qui me fait aimer Star Citizen et peut-être Squadron 42, hein. On espère que le jeu solo sera d'aussi bonne facture que l'est actuellement Star Citizen. Alors, et par contre, je dois reconnaître que, bon. La plupart du temps, j'adore les patchs. Je joue beaucoup à Star Citizen. J'y ai joué énormément au tout début. Je faisais des 4 ou 5 heures de session en continu. Un peu moins maintenant, parce qu'il y a peut-être aussi un petit peu le côté lassitude. Et quand un patch n'est pas agréable, ben des fois, ça m'arrive de ne pas jouer pendant plusieurs semaines. Ce qui d'ailleurs est un peu en train de m'arriver, parce que bon, j'ai appris l'arrivée de la 3.17.4. Mais bon, la 3.17.3 n'est pas beaucoup mieux que la 3.17.2, voire même limite moins bonne. Et bon, je lève un peu le pied parce que la 3.17, on l'a un peu essorée plusieurs fois. Hein, j'en ai fait le tour. Et donc, il peut m'arriver de me dire bon, bah, allez, je fais un break d'une semaine ou deux. Mais c'est pas pour ça que je laisse tomber le jeu, hein. J'y reviendrai avec plaisir, ben certainement, d'ici une semaine. Et je fais ça de temps à autre maintenant. Parce que à trop en faire, ben on finit par s'en dégoûter ou tourner en rond aussi, hein. Donc voilà. Ça reste, quoi qu'il en soit, ça reste mon jeu principal. Bah, de toute manière, je joue à Star Citizen quasi exclusivement. Je ne joue qu'à ça. Les autres jeux n'arrivent plus à m'attirer. Ça m'intéresse plus du tout. Il n'y a que ce jeu-là qui m'intéresse maintenant. Et ça fait depuis 2019, hein. Je le suivais depuis 2015. J'avais appris sur le forum, je crois que c'était sur le forum Battlestar Galactica, je regardais les actus, les trucs comme ça, et puis un mec il dit, mais vous connaissez Star Citizen, ça a l'air d'être un super projet. C'est comme ça que j'ai connu le jeu. Et je me suis lancé à la 3.6, je regardais les émissions de différents streamers, je suivais ça d'un œil, on va dire. Et puis un jour, je crois que c'est oui, c'est Darkomai 22 qui montrait, c'était en 3.5. À la 3.5, il a montré Arcorp, Aira 18, tout ça, et j'ai dit, oh là là, mais ce jeu, ça va être juste monstrueux. Et je peux vous dire une chose, hein, quand on le voit en vidéo sur YouTube, c'est bien, mais quand on est dedans, c'est encore plus hypant. C'est encore plus hypant. Enfin voilà, je vous explique en gros pourquoi j'aime Star Citizen, et pourquoi des fois j'arrive à le détester. C'est vrai que quand les patchs sont bien buggés, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, on prend sur soi, on attend un peu, et puis arrive un patch suivant, qui des fois est encore plus buggé. C'est un peu la loterie, hein, mais bon. Voilà.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit certainement à très bientôt dans le Verse. A ciao, ciao, ciao tout le monde. We'll be right back.